C'est lequel le marié là? C'est celui-là? C'est l'autre là? C'est moi. Il est stressé, je pense. C'est, vrai, c'est la dixième fois que tu goûtes, Paulette. Paulette. Et nous, on n'a pas encore goûté. L'hôtel. Faut encore goûter. Alors, tu vois le bureau tabac en face? Ah, c'est en face du bureau de tabac? Oui, c'est le bar de la terrasse. Il a une grande terrasse extérieur, de bar. C'est-à-dire que la maman de Yann et la maman de Nidom vont vous dire deux mots. Tu semblais très à l'aise, mais tu posais tes pieds avec prudence. Tu as ajouté à la vie. Oui, voici vivante. Il est joli. Il est joli. Il est joli, hein. Merci. Merci. Bon voyage. C'est un merci avec toi. Ouais. Merci beaucoup. Hein. J'allais dire. C'est la première. La première. J'allais dire. Ouais, merci. C'est trop lent, après il va s'ennuyer. Il y a une marche, il y a une prophétie là. Tu vois, c'est ça comme ça quand elle fait du 3 pattes. C'est pas très équilibré. C'est une fougère géante, arborescente. Et la maison avec là-bas le potager. Oyez, oyez. Oyez, oyez. On a mangé des fruits de la passion, de la vanille, qu'est-ce qu'on a mangé? Tout ça? Bon, ça. Et Isia, elle a sali tous ses bonnies. Isia! Isia, regarde la caméra. Ça lui va très très bien à Harry. Ah. Une petite norvégienne qui est cachée sous ses vêtements. Une petite réunionnaise. On s'ennuie pas, hein, chez Yann Nino. Allez, montre-lui ce que c'est qu'une vraie coureuse de chaise. Allez, monte. Tu veux donner cette partie-là à Roland? Roland ne prend pas mal, hein. Mais je te reste à belle. C'est vrai que t'es chiant avec ta caméra.
Alors oui, d'accord. Alors dehors, c'est le plein cyclone. Voilà. Tu viens Léa? Léa, toi aussi tu fais? On attend le cyclone qui doit arriver ce soir. Et là il n'est pas encore là. Donc on va voir comment c'est quand il est passé. Hein, d'accord? Attention! Oh putain! Allez, on tire, Non, je peux pas sortir, mais je vais mourir. Attends. Voilà. Alors le petit coin de nature et le cadre idéal. Tu veux pas les voir là-bas? Voilà, donc là on attend le cyclone. Le cyclone devrait bientôt arriver. Voilà. Alors voilà. Un par l'arrière. Vous voyez, vous comprenez. La nouvelle infirmière diplômée d'État. C'est pas la voix de Léa, ça c'est une voix un peu enrouée. Elle a une garde pas si mal, c'est pas trop. Qu'est-ce qu'il veut, papa? Hein? Au revoir, bébé. Oh, papa. Papa, tu fais un croyant. Ah ouais? Papa, tu fais un croyant? Papa, un croyant? C'est hors du cadre. Tu veux voir, maman? Tu vois comment tu fais? Tu mets à sécher la serviette. T'as vu comment il est mignon? Et voilà. Attends, mets le lien entre vous deux. Notre bébé. Attends, on va te délire. Laisse la mise au courant. On est en rupture. Voilà. Ils viennent de nous annoncer ça. Avec le test qu'on leur avait filé. C'est la fin de la batterie. Faut que je recharge et on va fêter Noël ce soir. Voilà. Et voilà. Ouais, t'en parles un moment. Mais vous l'êtes déjà? Voilà. On va filmer. Parce que là, c'est de belles chaussures. Sur les chaussures. Regardez ça, si c'est pas des belles. Bien habillée. Qui joue bien? Elle se régale, la petite Clara. Alors, qu'est-ce qu'elle aime? Elle aime bien ses canards. Elle aime bien son jeu.
Et elle aime bien aussi le petit oiseau qui tape sur le bout de bois, que sa marraine. Regarde, je tiens. Je la laisse-tu lire. Papa, elle a envie de te lire toute seule. Ouais, on lui relève les chapeaux, tu vois. Et tu vois, tu l'as fait lâcher. Hein. Ouais, parce que la tient peut-être pas si haut encore. Papa, arrête. Ça va comme ça. Papa, tu me fais mal au bras. C'est lourd, hein. C'est lourd, une petite sœur. Moi, j'enlève le bras. Hein. Non, enlève pas le bras. Attends, bah, je vais t'arranger autrement alors. Allez, au revoir la caméra. Au revoir. Encore à vous d'aller, et c'est toujours moi qui compte? Oui, non, c'est pas toi, surtout. Comment ça s'est passé? C'est qui l'avait pris? Le ciel t'avait volé ton bonnet. Où ça? À la lumière orange. Pas sur le visage. Tu m'envoies tes cheveux dans les yeux, tu vois, et là j'ai les cheveux là. Voilà, donc c'est aux os de la barbenne avec Clara. Ah, c'est froid, hein. C'est froid. Pas bon. Elle a envie de faire pipi, je l'amène. À tout à l'heure. Non, parce que c'est moi le commentateur. Alors Clara, tu as vu les éléphants? Tu avais plein d'éléphants partout. Tu la mets derrière comme ça, tu la mets. Si tu la mets derrière comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est pas une crêpe, ma fille, elle pourra pas passer. Non, c'est un truc ventral. Ma femme pense que sur un truc ventral, on peut mettre un bébé dans le lit. C'est un armée ventrale. Oh, sérieux, c'est plaisant, toi. Tu veux faire quoi avec le jeune? Là, dedans, il y a une pépette. Dans son parc. Ouais, on va mettre dehors. Et qui regarde? Elle est un peu malade. Elle a un gros rhume, Clara. Et voilà. Le parc a été mis dehors, face au petit jardin. Oui ? Elle fait son avance. Comme on avait vu, mais là maintenant, elle va très vite. C'est pour la tirer, comme ça, bien. Quoi, je suis pas bien cadré? Si, je suis bien cadré là. Je suis pas bien cadré? C'est le pyjama.
Ah, elle est séchée de fond de bois. Non, hein. En plus, il fait froid, et puis on est tous serrés dans les vêtements. Attention, 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 youhou! Par à poids. Alors. Non, papa, t'es pas essuyé. À la bétoule. À Roquefort. À Poupette. Et là, là, là. Tête douce. De là. Ça va, Clara, c'est bon? C'est bon. Elle est sérieuse, Clara, quand elle voit le vivant. Hein. C'est très sérieux, ça. Elle est pas mal. Mais là, n'importe quoi, c'est ça. Bon. T'as vu comme j'arrive à me lever, moi, hein? Ouais, t'es super forte pour te lever. Mais je suis sûr que tu sais pas déchirer les papiers comme moi. Il y en a pas deux. Je le mets un peu dans la bouche, ça le mouille, et hop, je te le déchire. Oh. Tu m'impressionnes avec tes fêtes. T'es vraiment trop trop forte. Mais moi, avec... La pas de bagarre. Ma femme fait quand je fais une blague. Oh, on dirait des mari et femme. Ah, la tête que ma femme fait quand je suis. Alors, le vieux couple là. Ah, j'ai froid au pied, prends pas toute la couverture. Ça, on fait quand on a 30 ans de mariage. Hein. On n'est pas prêts. Petit enfant, on devient. Ah, mais c'est la caméra. Eh oui. C'est pas l'appareil photo, ça. Eh non. Et le numérique, où il est l'appareil photo? Mais j'ai pas des appareils. Ah oui, c'est celui qu'on avait eu à la réunion. Là. Non, mais vous en avez acheté un autre. Mais c'est pas un numérique, ça. C'est un numérique avec un zoom. C'est le système ancien. Là. Allez. C'est pour te baigner, Camille. Chérie, incroyable. Le 25 août 2003, Léa Bourglan nage sans les palmes, sans les... sans quoi? Sans la planche, j'ai oublié. Oh là là, extraordinaire, extraordinaire, c'est arrivé. Mon Dieu, mon Dieu. C'est un petit photo. Dormi. Mais non, t'es en pleine forme, hein? Non? Ouais. Voilà, t'as vu Clara? Regarde. Ah.
c'est une belle vie. Les femmes, sont pas d'âme tous les deux, c'est pas possible. Ils sont bêtes. Et ça va finir en bagarre. Et voilà. Mon Dieu, ils sont pas possibles. Jamais ils s'arrêtent. Léa. Ouais. Il faut qu'elle se brûle le doigt, c'est ça le plus important pour lui. On essaye de souffler ma puce. Allez. Qu'est-ce que tu veux faire? Bravo. C'est Camille et la mode. Regardez, on est à touche de partout. Tout est assorti. Et les chaussures aussi, parce que d'habitude, les... pardon. Même les chaussures. Non, non. Non. Mais tes chaussures, les chaussures. Vas-y, chante, ma chérie. Avec une maison aussi. Rouille, un petit peu de temps, le soleil et les roses. Non, l'omelette en douille et la nuit qui mouille. Et l'omelette en hanneton et l'omelette en hanneton. Ça ferait presque moi, c'est plus facile. Tu arrives super bien, toi. La porte. Il me ferme la porte à chaque fois. Comme ça, t'es porte. Tu attends la porte. Vas-y. Tiens, Clara. Tiens. Vas-y. Vas-y. Balim ballon, balim ballon, balim ballon. C'est yaou. Balim ballon. Ma petite école. Yaï yaï. Oh. Bravo, bravo. Comment on fait bravo? Bravo. Bravo. Super chérie. Bravo. Vous êtes belles les filles, hein? Votre cage à double clé. Entre vos doigts, l'eau vive s'envolera. Vas-y. Il faut la suivre vers la flèche là. Pourtant un matin nouveau. Il y a des paillettes. Là, j'ai dit, ça me dit, j'ai 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 dit, boum. Bagarre. Il y a bagarre. Thank you.
a une superbe danseuse sur la piste. C'était pas une bande d'ours avec deux folles dans le groupe, non, c'était de paisibles. Non, personne n'a dit ça. C'était de paisibles promeneurs, très avec deux très jolies petites filles. Regardez, en voilà une là. Enfin, petite, j'exagère. T'en as de la chance. Oh là là. Alors là, Isia, Clara, Manon, admirez le spécimen que nous avons trouvé. Et ça s'en va, elle se sauve. Il n'y a plus de rouleau. C'était comme une très gentille petite fille qui se promenait sur une belle plage. Donc tout le monde savait. Regarde, des troglodytes là-bas.
d'ailleurs, je cherchais quelqu'un pour me faire visiter cette maison. En commençant par le jardin ? Non ? Par quoi ? Tu vas te faire un... Je sais pas pourquoi elle est battante dans la maison. Tu vas là. Là, c'est... Du français ? Non. De l'histoire ? Non. Des sciences de la vie ? Non. Le magnifique rideau, là ! Et j'espère que tout le monde le verra lors des prochains passages. Hey, tire-toi sur mon bras. Ce chat s'appelle Alia. Ayla. On mange. Ça a pas l'air bon. Quand elle a ce terre-là, c'est que c'est pas bon. Mais on m'a dit qu'on mangeait, il n'y a personne à table. Moi, je suis dans l'équipe Paraguay. L'équipe Paraguay. Ouais. On mange. Et là-bas, il y a des monstres. Asuncion. Je crois que Paraguay, la capitale, c'est Asuncion. Dégage-toi, pas fou. Quoi ? Qu'est-ce qu'on mange ? Mais qu'est-ce qu'on mange ? Oh, un poisson frite. C'est ça ? Non, c'est quoi alors ? C'est bon, tu l'as filmé ? C'est quoi ? Dis-moi ce que c'est. Un tagine. Tagine quoi ? Tagine, petit pois, olive. Et le poulet. Oui, poulet. Non, on vient de le dire. Et on mange sans l'assiette. Il y a encore un Tintin et Clara qui traînent par là. Mais Léa est partie à l'école. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour me faire visiter la maison ? Une nouvelle chef pleine de visite. On a ici le... Ça va pas du tout. De la salle de jeu. Les jeux, donc il va. Et... Allez, montre-moi ta chambre maintenant. Pour qui c'est plus rapide ? Clara, aimez-vous les balades en famille ? Reste là. Ah ben voilà. Bonjour, je suis aujourd'hui au jardin de Madeleine et nous allons voir ce qu'ils vont voir. C'est parti. Attention, c'est pas l'eau. Très intéressant. Salut ! Oh, il y a dispute. Oh, mais il y a boudage aussi. Oh, mais il y a baston. Au secours, il y a baston. Voilà, tout le monde est là. C'est bon ? Regarde les photos qu'ils ont fait. On te laisse. Oui. Pourquoi donc t'en vas-tu si loin ? Parce que j'ai rendez-vous avec la belle Rana. Et tonton Guy est où ? Et tonton Guy, il est où ? Il est là, il est en dessous. C'est une méga bagarre. Ça, c'est la petite.
ça, c'est le seul garçon. Monsieur, 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 monsieur. Qui est-il? Ah, je suis désolée, monsieur. Je m'excuse. Ça, c'est la maman. Nous allons voir les enfants. Les deux qu'on a pu retrouver. Et nous revoici à une vieille Il y a le rouge là, comment il s'appelle? Il y a le rouge.
il y a le quand il était petit Anakin. C'est quand il était petit Darth Vader. Ouais. C'est le petit Darth, c'est le petit Anakin. C'est le petit Darth Vader qui nous a parlé. Viendra la nuit qui me dira que mon heure est passée, que je ne pourrai plus désormais passer ma vie tout près de toi. Non, non, il faut pas qu'il boive ça. Hein. Tu es si belle, passer ma vie. Attention sur les têtes. Mon son sera ma star, la paix, passer ma vie à crier à l'injustice et au mensonge. Passer ma vie à passer pour un fou, un parano, un étrange. Passer ma vie à m'indigner pour tout. Pour n'importe quoi, passer ma vie. Mais là, donc c'est un peu ridicule. Les mêmes mots, penser mille fois, passer ma vie. Ce monde fier, futile, furieux, folle caravane de l'insensé. Passer ma vie, penser, dépenser. Tristan, j'ai déjà passé la serpillière. Tristan! J'ai déjà passé la serpillière. Tristan, tu vas manger la serpillière. Tristan, dépêche. Maman, c'est Clara m'a donné. Maman, on est où ça? Allô. On est prêt à vous accueillir à la maison alors. Hein, Jules? Oui. Oui. Il a dit oui. D'un nid, d'un croissant beurré, d'un piment swahili, qui s'était donc juré de s'aimer pour la vie, malgré toutes les routes crevées d'ornières, dans le panache de poussière des saisons blanches et sèches. Malgré le doute et les pluies diluviennes, malgré les torrents de boue qui s'écoulent dans la plaine, le croissant, le piment ont le goût d'un enfant, puis de un, puis de deux, carpe diem d'un instant. Aucune écluse ne peut contenir les rêves que le cœur transporte et pour lesquels il crève. Pili Pili, rêvé de Paris, croissant au beurre, voulait vivre ici. Ils se croisent, décroisent les chemins, et laissent des enfants au carrefour des destins. Pili 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 sur un croissant au beurre. Pili 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 sur un croissant au beurre. Pili 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 p